Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de téléservice de ce vendredi 21 mars 2014. Aujourd'hui, pour votre gouvernement, nous aurons l'honneur de recevoir pour vous des jeunes dames, parce que le mois de la femme continue, mais nous allons plus nous pencher sur le comportement que doivent afficher les étudiantes dans les milieux universitaires. Et aussi, nous allons essayer d'analyser si c'est possible que les étudiants filles et garçons puissent étudier ensemble et les difficultés qu'ils rencontrent. Et comment elle s'en sort tout au long de cette émission, vous aurez les réponses à toutes ces préoccupations. Mais à la présentation, je suis avec Mimi Kalombo, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Nati, fidèle téléspectateur, bonjour et restez branchés à la RTNT car aujourd'hui nous avons réservé un programme très intéressant à travers cette émission télé-service que aujourd'hui je vais présenter, au fait co-animer avec mon confrère de tous les mercredis, mais aujourd'hui ça sera spécialement. Je suis très content d'être encore avec toi. Pour ces vendredis, fidèles téléspectateurs, la RTNC, donc l'église au milieu du village, ne s'est pas arrêtée à recevoir de femmes qui occupent des postes de responsabilité pour ce mois dédié à la femme. Aujourd'hui, la RTNC a jugé très indispensable de recevoir, comme tu venais de dire, Nati Kadima, de filles et même de femmes de l'UCI, c'est-à-dire Université chrétienne internationale, pour mettre l'accent sur les comportements de la femme en milieu étudiantin. Nati Kadima. Voilà, Mimi, c'est comme tu l'as si bien dit, elles sont étudiantes, elles sont très bien habillées. C'est votre mois. Bonjour, mes demoiselles. Bonjour. Il y a des dames parmi vous. Les demoiselles. Donc des femmes en miniature. Ah, mais c'est votre moi quand même. Vous êtes des femmes. Alors Mimi. Oui, premièrement, nous avons ma jolie Yanda. Bonjour ma jolie. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur le mois de la femme. Oui, bien. Nous savons que le 8 mars, toutes les femmes le fêtent. Nous fêtons le mois de la femme. Mais ce n'est pas seulement le 8 mars. Donc c'est tout le mois, mais il faudrait aussi que ce soit une vraie vie en fait, pas seulement un mois, toute une année, toute une vie, pour que la femme sente qu'elle a sa place vraiment dans la société. Et bonjour Marcy Mbaï, je pense que je n'ai pas massacré votre nom. Et pendant ce mois, la femme congolaise réfléchit face à sa situation. Et je vous remercie pour la parole. Premièrement, je dirais que, bien que c'est le mois de la femme, et la femme doit apprendre à être indépendante, être en mesure de pouvoir se supporter, satisfaire ses besoins. Et c'est pour cela que nous devons, la femme doit travailler, prendre ses études au sérieux pour être en mesure de pouvoir exercer la même activité que l'homme peut faire. Sandra Basseya, bonjour. Bonjour. La femme doit être compétente pour occuper des postes de responsabilité. Qu'en dites-vous? Merci pour la parole. J'aimerais répondre à votre question. La femme doit être indépendante, si je peux dire. Elle doit être compétente. Compétente, c'est-à-dire que la femme doit être à mesure de se prendre en charge, donc d'être capable de se prendre en charge de la même manière que les hommes aussi se prennent en charge. Rudy Ngunza, aujourd'hui, la femme congolaise, elle doit arrêter à penser que le mois de la femme est égal, donc est synonyme au port de bagne. Donc la femme, c'est la tête. Qu'en dites-vous? Je dis que la femme, ce n'est pas seulement le bagne, parce qu'on peut être femme en s'habillant autrement qu'en bagne. Mais seulement, la femme, c'est la tête, la femme, c'est la réflexion, la femme, c'est l'intelligence, la femme, c'est l'intellectualisme, donc c'est l'éducation. La femme, c'est ça pour moi, en fait. Marcy Mbaye, bonjour. Aujourd'hui, la femme doit se démarquer. Parle. Oui, je dis que la femme, aujourd'hui, là, c'est démarquer. La femme moderne, on cherche l'émancipation pour qu'elle soit vraiment égale à l'homme.
Il n'est pas question seulement de dire que je veux la parité, nous voulons la parité, sans pourtant faire tout ce que l'on fait pour essayer de faire ce qu'il fait. Donc la femme moderne aujourd'hui doit être émancipée. La femme d'aujourd'hui, c'est une femme de valeur, c'est une femme brave qui doit aussi faire face aux difficultés de la vie, n'est pas toujours être derrière l'homme. Elle doit se démarquer dans tout ce qu'elle fait pour en fait faire d'elle une vraie femme émancipée et une vraie femme leader. Et nous terminons par Murphy Bidiaka, à qui je dis bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, la femme congolaise, elle doit donc prendre ses responsabilités à la maison en tant que maman. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons les Chégué, la femme, elle ne joue pas très bien son rôle. C'est donc quelques personnes qui ont mené des enquêtes. Aujourd'hui, la femme doit prendre ses responsabilités en tant qu'éducatrice. Oui, merci tout d'abord pour la parole. Normalement, la femme doit avoir ses responsabilités parce que, comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, la femme, c'est une mère. Donc, c'est une richesse pour moi que je vois. La femme est une richesse pour la nation. Quand la femme est éduquée, la nation aussi sera éduquée. Merci. Alors, très bien, Nati. Ça, c'est une présentation là en femme. En tout cas, j'ai aimé, hein, parce que la parité est vraiment exagérée ici dans ces plateaux. Je suis seul, les seuls.